Vous n'avez pas que la pierre, comme vous le savez bien. Vous avez les arbres, la forêt, forêt historique. Pas des arbres que... Il y a des arbres qui ont poussé comme ça. Mais les arbres font partie. On a des textes qui parlent des arbres sacrés. Un jardin sacré dans le temple bouddhique. Donc c'est très important, les arbres. Pas pour faire joli. C'est pas un jardin comme ici. C'est une partie du patrimoine. Et l'eau, avec les barrages. Encore sans eau, c'est pas encore. Le paysage d'Angkor, c'est un paysage avec une présence extraordinaire de l'eau, avec tous ces barrages, les deux grands, l'oriental et l'occidental, et deux moyens, celui du nord, le barrage où il y a le Nakpan, et qui est lié bien évidemment à tout l'ensemble du patrimoine situé dans ce point précis, mais l'essentiel c'est le Prakan, et donc on l'appelle aussi le barrage de Prakan. D'accord. Puisque quand vous sortez du Prakan, vous avez l'embarcadère immédiat, donc c'est lié. Donc beaucoup d'historiens l'appellent le barrage de Prakan. Oui. Donc ça c'est au nord, et au sud, vous avez, vous le savez bien, un petit barrage, mais petit, c'est quand même des millions de, oui, de mètres cubes. Oui. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'importance de l'eau à Angkor et tout ce qui a été fait par l'autorité nationale Apsara, et plus particulièrement les travaux hydrauliques de son excellence Dr. Ampe. C'est remarquable comme travail. Eh bien, ça, nous avons aussi le barrage qui va vers Rolouos, dans la zone d'accord, de Rolouos, oui, etc. Bon. Alors... C'est pourquoi, dans le passé, Angkor Wat était appelé, par exemple, la cité hydraulique. Hydraulique, voilà. Voilà, voilà. Donc, les temples sont importants, mais aussi l'eau oui, qui est cruciale, voilà. Oui, et les arbres. C'est... Donc, vous avez une diversité dans... Et aussi les animaux, peut-être. Oui, je vais y revenir. Mais vous avez cette diversité dans le paysage d'Angkor, entre le monument, l'arbre et l'eau, mais à l'intérieur des monuments, vous avez diversité entre la pierre, le grès, la latérite et la brique. Donc même dans la pierre, vous avez une diversité.